On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. C'est un haul aujourd'hui, donc c'est mon My Birthday Haul. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo là pour montrer ce que j'ai reçu, pour me vanter de quoi que ce soit. Loin de là, c'est juste pour donner des idées shopping ou des idées cadeaux à d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas là pour me vanter de quoi que ce soit. Voilà, fin de la parenthèse. Allez, on commence maintenant. Donc tout d'abord, j'ai reçu dans une petite pochette comme ça, toute magnifique, de chez Fragonard. Donc c'est écrit Mademoiselle Amour ici. Donc elle est comme ça, avec une petite zip, et elle est comme ça à l'intérieur. Voilà, donc moi qui cherchais une pochette, c'était très très bien. En plus, elle est plastifiée, donc très facile d'entretien. Et à l'intérieur, j'y ai trouvé un parfum, donc le parfum Mademoiselle Amour de chez Fragonard. Voilà, il est comme ça. Et il sent vraiment très bon. Alors celui-ci est facile à décrire, ce sont simplement fruits et fleurs, voilà. Et ça me correspond tout à fait. Donc la personne qui me l'a offert, je ne sais pas comment elle a fait, parce que c'est vraiment très dur de trouver un parfum et d'offrir un parfum à quelqu'un. Voilà. Et donc à l'intérieur aussi, il y avait un joli miroir de sac à main, donc qui est comme ça à l'arrière, qui est brillant comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc ensuite, j'ai reçu, attention, cette petite peluche trop mignonne. Donc moi je suis une fan de peluches, comme vous le savez dans ma vidéo 50 sur moi, j'en ai parlé. Même à mon âge, j'adore les peluches et je suis fan de You and Friends. Oui, je sais, rigoler, c'est pour les enfants, mais moi je m'en fiche, je trouve ça tellement mignon. C'est tout doux, je sais pas si vous imaginez comment c'est tout doux, mais c'est vraiment, moi je les appelle les tout doux parce que c'est vraiment tellement doux. C'est, enfin je sais pas comment vous expliquer, il a des paillettes dans les yeux, c'est trop mignon. Donc voilà, il est comme ça, donc voilà. Ensuite j'ai reçu, donc pour ceux qui veulent savoir où est-ce que cette peluche s'achète, la grande récré, dans les Claire's, Toys R Us, je ne pense pas. Voilà. Et le parfum, c'était sur fragonard.fr. Donc c'est une grande parfumerie depuis très longtemps qui existe à Grasse. Voilà. Et ils ont un site internet. Ensuite, j'ai reçu un lot de bracelets ethniques, comme ceci. Voilà. Que je porte dans une vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y en a un. Comme ça, qui est un petit peu comment, je sais pas comment expliquer, de cette, voilà, de cette texture là, je sais pas comment expliquer. Il y en a un gros en bois qui est comme ça et un très très fin. Voilà. Ceux-là viennent de chez moi, ça je sais, ce qu'il y avait l'étiquette sur le bracelet. Ensuite, pareil, de chez moi, j'ai reçu cette paire de boucles d'oreilles là, donc ce sont des plumes avec des petites perles ici, et elles sont pleines de paillettes. Voilà, donc ça c'est très très beau. Voilà, comme ça. J'étais loin de la caméra, je suis essoufflée. Voilà, ensuite toujours de chez moi, j'ai reçu ce très beau collier que je porte aussi dans une de mes vidéos, donc comme ça. Donc je sais pas si vous verrez bien, c'est assez ethnique, moi j'aime beaucoup avec des petits strass, donc pareil de chez moi. Pause. Je sais pas si c'est quoi qui bouge depuis tout à l'heure. Bref, il y a un truc qui est tombé, je sais pas c'est quoi. Ensuite j'ai reçu un autre parfum, donc j'étais guette un parfum, là j'ai une réserve. Donc celui-là je m'y attendais pas du tout parce que c'est un parfum qui pour moi est hors, enfin ouais, hors de prix quand même. Je l'aurais jamais acheté de moi-même parce que quand vous passez devant, moi j'ai pas de parfum de grande marque, j'ai que des parfums de grande surface, donc voilà. Et il est comme ça, voilà, donc c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Très très beau, comment dire, le packaging est en, comme en paillettes incrustées, enfin vraiment beau. Et ils sont, c'est pareil, la personne qui me l'a offert, je sais pas comment ils ont trouvé, parce que je suis pas difficile en parfum, mais c'est dur de choisir un parfum pour quelqu'un.
Et ça, c'est le vanille. Ça me correspond trop. C'est vanille musc, j'adore. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc... la personne qui m'a offert ça était allée à Sephora. Donc du coup, on avait un cadeau à Sephora. C'était un panier pour la plage ou les courses comme ceci. Qu'on devait monter soi-même. Et moi, j'aime bien. Franchement, pour aller à la plage ou faire des petites courses... nickel, en plus on peut le laver tranquille, il est en plastique. Donc voilà, puis il craint pas ça, pas lourd, rien. Et dedans il y avait un petit sac, je suppose que c'est pour mettre les pliables avec des petits cordons pour refermer. Je suppose que c'est pour mettre les maillots de bain quand ils sont mouillés. Et j'en voulais un, je voulais m'en acheter un, et donc voilà, c'est fait. En plus il est rose, c'est parfait. Ensuite... j'ai reçu de chez Bershka un petit t-shirt comme ceci. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Par-ci, par-là. Voilà. Et il est comme ça. Donc, je vais me lever. Voilà. Et il y a des petites ficelles Oloyamba, comme dans les kimonos là. Donc, c'est écrit dessus: Better being late than arrive ugly. Paris Palais Royal, 75 000. Voilà, donc de chez Bershka. Et celui-ci est en taille XS. Voilà. Donc ça. Donc le meilleur pour la fin. Là j'ai failli pleurer aussi avec le parfum. Parce que... comment? J'aurais jamais acheté ça. Parce que pour moi c'est tellement cher que... enfin, c'est pas si cher que ça, mais c'est cher pour moi. Donc j'ai ouvert mon paquet. Pareil de chez Sephora. Et j'ai eu la surprise de recevoir la palette Naked Urban Decay Unburden. Donc la Naked Unburden de Urban Decay. Voilà, donc le packaging est simplement magnifique. Voilà, il est comme ça, le derrière est comme ça. Voilà. Donc ils disent que c'est la Naked Unburden. Donc il y a 5 fards à paupières. Le Dive, le Fix, le Resist, le Dare et le Stun. Voilà. Et donc, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a un miroir comme ceci, voilà. Et vous avez ici toutes les couleurs. Donc je ne sais pas si vous verrez grand chose. Je vous ferai un close-up pour que vous voyez mieux. Ça sera plus simple. Donc ici, vous avez un mascara. Vous avez un crayon noir là, là. Ici vous avez un gloss ou une encre à lèvres, je ne sais pas encore trop ce que c'est. Ici c'est un bronzer, vous avez le blush et vous avez un highlighter. Donc ici, cette couleur là, c'est comment, une sorte de mandoré brun pailleté. Celui-là c'est un mat crème, celui-ci c'est un marron mochiato... comme ça. Une autre, c'est un crème café vanille. Et celui-ci qui est juste là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un comment, un peu un sable foncé pailleté. Donc il y a 2 mats et 3 pailletés. Voilà. J'ai pu tester les fards à paupières. Bah, comme toujours, Urban Decay, très bonne pigmentation, pas poudreux du tout. L'highlighter, j'étais un peu déçue parce que je trouvais pas qu'il illuminait autant que celui que j'ai de chez Revolution. Mais bon, il est très bien. Le mascara est bien, mais il donne pas assez d'épaisseur. C'est le perversion Bigger Blacker Better. Voilà. Le crayon, je l'ai pas encore utilisé. Et le lac à lèvres non plus. Donc voilà. Donc les couleurs de la... on va dire... de ma gauche à votre droite, c'est celle que je vous ai dite au tout début. Voilà les noms, mais je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, sinon allez sur le site de Sephora et je pense que tout est très 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 très, très bien expliqué dessus. Donc ça, c'était une très très comment, belle surprise d'avoir ce cadeau là. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le mascara. Donc c'est le perversion, comme ceci, je ne sais pas si vous verrez ce qui est écrit dessus. Je viens de me faire mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, je me suis
fait mal, je me suis pris le talon dans mon canapé. Bref, on va faire vite. Donc, j'essaie de pas mettre partout. Donc la brosse est comme ceci. Donc elle est en poil, je pense, naturel, je ne sais pas, ou synthétique. Et elle est assez fournie, donc je pensais que ça allait faire vraiment un gros volume. Mais moi je cherche le volume et l'épaisseur et la longueur. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il y avait un crayon Kohl dedans. Donc c'est le 24-7, enfin le 24-7. Voilà, le Glide On Eye Pencil Stag, donc c'est crayon contour des yeux longue tenue. Voilà, donc il ressemble à ceci. Voilà, et la mine est comme ça. Voilà, donc c'est une mine un peu particulière. Elle est légèrement ancrée dans le crayon, elle n'est pas toute lisse comme les crayons habituellement. Donc je vais vous faire un petit swatch. Ah oui, il est très gras. Il est très gras, je ne l'avais pas encore utilisé, il est vraiment gras, donc il doit vraiment être longue tenue. Donc voilà, il est comme ceci. Un noir classique, hein, mais il est charbonneux par contre celui-ci. Et ensuite vous avez vous avez un. Moi je pense que c'est une laque à lèvres. Elle est vraiment très très belle, on dirait du Dior. De Naked, voilà. La couleur c'est celle-ci, donc ils disent lip gloss, moi je trouve que c'est plutôt que c'est une laque à lèvres, mais l'embout est comme ceci. Voilà, donc je vais vous faire un petit swatch. Ah ouais, c'est assez nude quand même, c'est un pêche, moi je pense, mais je pense que la couleur est modulable, hein. Je pense que si on met plusieurs couches ça doit, ah je le ferme, ça doit, comment, on peut l'intensifier je pense. Donc elle est ici, je vois pas ce que je montre, là, ici, ici, là, voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc voilà, mais je vous ferai des close-up pour que vous voyez mieux. Donc voilà, je vais vous swatcher les ombres à paupières vite fait pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, je vous donnerai les noms encore une fois à la fin pour que vous, enfin du premier que je vous aurai montré jusqu'au dernier, parce que je peux pas retourner la palette à chaque fois que je vous montre les couleurs. Donc je fais le premier, je vais l'intensifier un petit peu. Voilà, donc le premier c'est celui-ci, je ne sais pas si il est, mais moi je le vois pas. Il est comme ça, je sais pas si vous voyez les reflets un petit peu que ça donne, c'est un peu métallisé. Donc voilà, je vous ferai des close-up pour que vous voyez mieux par là ou je ne sais pas trop. Hop. Celui-là, c'est le deuxième. Celui-là, il est vraiment très nude. Donc le deuxième qui est ici, je sais pas si on voit quelque chose, non. Le troisième, par contre celui-là, ouais, il est très, je vous montre comme ça ici là parce qu'il est plus, je sais pas, sur la main, ouais, sur la main il ressort bien moins en fait, ouais, sur la main c'est pas pareil, il est ici le troisième et sur la main il ressort pas pareil, j'ai de l'ombre à paupières partout. Je vous montre le quatrième, donc voilà. C'est celui-ci, comme là que j'ai juste ici, là. Voilà. Et le cinquième. En fait, ça va du plus clair à peu près au plus foncé. Voilà. Ça est très très beau aussi. Voilà. Alors, j'en ai bien sur toutes les mains. Donc. Je vais vous swatcher le blush et le bronzer, c'est pas la peine parce que c'est des blushs très communs et le bronzer est d'une couleur très commune. Mais par contre pour la lighter je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Il est ici là au milieu de ma main et je trouve que ça ressort pas vraiment bien. Voilà. J'en ai mis aujourd'hui ici et là et
je veux pas que ça ressort. Voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'était, j'ai acheté à Undies, donc là c'est moi qui me les ai surpris pour mon anniversaire. Je voulais des bikinis, donc un qui change, donc c'est un jaune, ça c'est le bas, donc voilà, comme ça, donc de chez Undies, et le haut de bikini qui est comme ça, donc jaune poussin. Donc si je vous le mets à peu près, ça donne quelque chose comme ça. Alors là c'est mieux quand même. On revient avec le deuxième bikini, donc celui-ci est un peu plus motif aztèque quand même. Donc voilà, comme ça, un bikini classique quoi. Et le haut, donc c'est un haut bandeau comme ceci, et vous avez des bretelles avec, mais moi je les mettrai pas parce que j'aime bien quand c'est comme ça. Et vous avez un petit détail au milieu en V. Voilà, donc ça est tout pour ce haul. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il n'a pas été trop long et que ça vous aura donné des idées de cadeaux ou d'achats tout simplement pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt, bye.